voudrais que tu puisses réaliser les paroles de ce cantique. Alléluia. Je me suis à douter. Je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me suis à pleurer. Fils de David, aie pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Mais il faut qu'il mange de ce qui vient du ciel. Et en réalité, j'aimerais vous dire, ce soir, il y a une grande table qui est dressée. Amen. Vous savez, je vais imaginer ça. On aime bien les bons fromages. Ça se voit en plus. Hein? On aime bien les gros pains. On aime bien tout ce qui est succulent. Je sais que dans les Schmitt, ils aiment bien les gâteaux. J'ai vu Garma manger plein de gâteaux hier. Eh bien, au sens spirituel, il y a des mets succulents ce soir. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je vois qu'il y a la délivrance. Je vois qu'il y a la bénédiction pour ton foyer, pour tes enfants. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que c'est vrai, Samuel? C'est là, c'est sur la table, mais oui, regarde. Au sens spirituel, il y a aussi quelque chose. Il y a l'appel au ministère. Il y a l'appel au ministère, oui. Il y a la réconciliation des foyers. Mais quoi d'autre encore, Samuel?
il y a la réconciliation entre belle-mère et belle-fille, le genre des beaux-pères. Il y a les chaînes qui tombent. Il y a la solution au problème. Alors je suis pas plus bête qu'un autre. Je vais venir à la table ce soir. Toutes ces bonnes choses-là sont à moi. Je suis héritier du ciel et co-héritier du Christ. Samuel, t'as le droit de venir. T'es sûr? T'es sûr, Seigneur? J'ai le droit de venir à la table. Samuel, ça m'est réservé. Mais oui, j'ai payé le prix de ta liberté. Parce que je suis mort pour tes péchés et je suis ressuscité pour ta justification. Et aujourd'hui, là, c'est à toi, ça. Prends-les. Ne te prive pas. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia, amen, ce soir. Amen. Je vais tenir le téléphone et puis je vais demander à mon cousin Thibault de nous chanter un cantique. Que Dieu te bénisse.